Salut à tous, c'est SweRide, je vais vous présenter ma chaîne. Donc je commence sur YouTube, pour l'instant j'ai 10 abonnés, bon c'est pas ouf mais ça va augmenter. Donc cette chaîne c'est une chaîne consiste sur le VTT, donc tout ce qui est, ça peut être du VTT descente, mais non pas trop de descente, c'est plus du VTT avec ce vélo là, donc c'est un Sun 29 pouces, avec cadre en carbone, suspension et frein hydraulique. C'est un cadre M et pour le VTT, donc ce vélo là avec aussi des freins Shimano, bon, tout est Shimano, donc tout ce qui peut être dérailleur, chaîne et cassette. Et ici pour tout ce qui est citadin, genre tout ce qui est wheeling, saut de marche dans la rue, donc c'est ce vélo, c'est un Sun 27,5, c'est un cadre en aluminium en S. Et c'est des poignées qui sont pas d'origine, c'est des poignées que je fais de la trottinette freestyle. Et ben j'avais des poignées de trottinette freestyle, je me suis dit je vais les mettre là. Sauf que voilà, ça glisse. Du coup je vais essayer de mettre un peu de colle pour que ça colle bien. Et du coup ben, c'est pareil, c'est un dérailleur Shimano, à l'avant, à l'arrière, des suspensions. Donc c'est du. Je sais pas comment c'est dit. C'est du. C'est un vélo 27,5 mais en gros c'est des suspensions assez élevées, comme vous pouvez le voir, ça fait quoi, 100 mm. Et ici j'ai des freins hydrauliques. Voilà. Après pour les roues, ici c'est des roues basiques chambre à air avec des pneus Typen de chez Jimson à l'avant. Et à l'arrière c'est du Python de chez Jimson. Et pour ces roues ici, alors celle-là c'est du tubeless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre à air. En gros, s'il y a un liquide à l'intérieur, si ça perce, le liquide se recouvre, ce qui fait que tu n'as pas besoin de changer les chambres à air. Donc pour l'avant et l'arrière, donc c'est Typhoon pareil et Typhoon à l'avant. Contrairement à celui-là qui, à l'avant c'est un Jimson Typhoon et à l'arrière c'est un pneu plus fin, donc un Python. Ce qui fait qu'il y a un peu plus fait pour les descentes, mais c'est pas un danger. Voilà. Et ben les poignées aussi. Donc ces poignées là, elles sont pas d'origine, c'est des ESI. Voilà. Après celles-là, je vous avoue qu'elles agrippent bien, elles sont pas mal. Seul bémol, je pense qu'elles font un peu mal aux mains à force. Ça doit faire des cloques. Mais franchement, je m'en plains pas. Puis voilà. Je pense qu'il faut que je change. Bon non, rien de spécial. Le pneu. Peut-être le pneu, ouais, le pneu arrière, il commence à être lisse ici. Mais bon, ça arrive. Hein. Ben voilà, vous avez une petite vidéo avec ces deux vélos. Enfin, surtout celui-là en VTT. Et après tout ce qui est ville, wheeling et tout, je préfère avec celui-là parce que bah, il est plus lourd déjà, donc t'as moins de chances de partir en arrière. Les gars, cette chaîne, il n'y aura pas que moi dessus, il y aura Fix et Mix, alias Marius. Donc lui, il va s'acheter un VTT enduro pour faire des petites sessions VTT. Ou en descente. En descente, ouais, avec nos GoPro. Donc lui, il a la Insta360. One Air. Et il a aussi GoPro Hero 7 Silver. Et moi, j'ai la GoPro Hero 7 Black. Donc ça va y aller, plus le stabilisateur. Avec des bonnes stabilisations en VTT. Vous allez avoir du contenu. Hein. Donc faut s'abonner et activer la cloche quoi. Toujours. Et ben sinon j'ai rien d'autre à vous dire à part que ça va y aller les vidéos. Hein. Tu connais hein. Ça va y aller et puis ça va y aller. Bon, on va peut-être faire des randonnées organisées si ça roule, parce que là avec le coronavirus c'est un peu casse-couille, on fait rien. Mais bon. On va vous faire peut-être des petites randonnées sur le vignoble. Ma petite chaîne, elle va consister tout simplement, si vous avez bien écouté ma vidéo, hein, à faire du VTT. Et VTT ou du VTT, enfin du vélo street. Et il n'y aura pas que toi aussi qui va faire des vidéos. Il y aura Fix. Donc il y aura des vidéos où on sera tous les deux, des vidéos où on sera plus que deux, et il y a des vidéos où on sera tout seul. Donc ça pourrait être soit moi, soit toi. Ouais. Moi je connais quelques endroits en VTT, donc
que je pourrais vous montrer. Je pourrais pas vous dire où ils sont les spots parce que c'est un peu privé. Précieux les spots quand même. Ouais, il y a des spots qui sont privés. Genre, nous le club on a l'autorisation, mais d'autres ils n'ont pas. Et je crois que t'as pas qu'une chaîne. Ah oui, j'ai une autre chaîne. Si vous êtes intéressé par la pêche, ça peut être en float tube, en wading ou du bord. C'est Sweet Fishing. S. De toute façon, dans la description. Ouais, dans la description, ce serait dans la description. Et à la fin de la vidéo. Et puis, j'ai racheté un bon matos. J'ai pas encore un ensemble de bait, si vous connaissez ce que c'est. Donc, ça va partir les vidéos une fois que l'ouverture sera arrivée, quoi. En avril. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour me voir sur ces magnifiques bêtes.